plus de 100 jours de guerre à Gaza et au moins 80 journalistes tués depuis le 7 octobre dernier et de nombreux journalistes qui décident d'abandonner l'enclave palestinienne on en parle aujourd'hui avec mon invité Meriem Laribi bonjour bonjour euh, actualité oblige, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit point euh, sur euh, le Conseil des ministres euh, euh, auquel tu as assisté ce matin avec la porte-parole du gouvernement qui est revenu sur euh, euh, l'affaire de l'Afrique du Sud qui poursuit euh, Israël devant la Cour internationale de justice. Oui, je suis allée au compte rendu du Conseil des ministres. Hein, je suis pas allée au, conseil euh, au, des au compte rendu du Conseil de, de, de la porte-parole euh, du gouvernement. Ouais, ouais, bien oui, sûr. Et donc j'ai demandé à la, la porte-parole du gouvernement ce qu'il en était sur la position de la France euh, par rapport à, à la requête de l'Afrique du Sud devant la CIJ. Parce que ce n'était pas du tout clair pour moi. Euh, le ministre des Affaires étrangères, vous avez dû le voir la semaine dernière à, à l'Assemblée nationale en répondant à Daniel Obono... A dit qu'accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Euh, Ce n'est pas du tout clair euh, comme position, étant donné que la France, en tant que pays membre de l'ONU, est soumise à la, à la Cour internationale de justice. Et donc, doit respecter les décisions de la Cour internationale de justice. Ça, que, que voulait dire cette déclaration Ce n'était pas du tout clair et elle venait en contradiction avec ce qu'avait dit au début du mois, le 2 janvier, l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, qui avait dit que la France était un fervent défenseur de la Cij et qu'elle soutiendrait euh, sa décision qu feront, que, que la France que la France fera en sorte de, 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 de respecter et de soutenir la décision de la Cij. Donc c'est ce que je suis allée dire aujourd'hui à la porte-parole du gouvernement Priska euh... Thévenot. Oui. Et, euh, et donc ce que j'en retiens, vous verrez les extraits de, 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 ce, de cette conférence de presse si, si vous le souhaitez. Mais ce que j'en retiens, c'est euh, parler de génocide, ça nous plaît pas trop. Euh, mais euh, oui, la France respectera la décision. Donc finalement, aujourd'hui, euh, nous avons appris que la France respectera la décision de la Cij, ce qui est plutôt rassurant, parce que encore une fois, euh, ne pas respecter les décisions de la Cij, c'est sortir du droit international surtout, en Ça aurait ce été besoin, hyper surprenant, serait... et en cela, la décision de la, la déclaration de Stéphane Séjourné était extrêmement surprenante pour un ministre des Affaires étrangères. Oui. Alors, euh, passons au, au sujet du jour. Donc, les frappes israéliennes poussent de plus en plus de journalistes à, à quitter Gaza. Dernier en date, donc le journaliste euh, Moutaz Azaïza On en parlait dans, dans le Flash Info. Euh, le, le départ de Motaz zaïza c'est une grande perte pour euh, les relais d'informations euh, de ce qui se passe à Gaza, de la guerre. C'est une perte immense. C est, c est, vous savez, Motaz zaïza a, a cinq fois plus d'abonnés qu'Emmanuel Macron et un million d'abonnés de plus que Joe Biden. Ah oui, Donc, ça vous donne un peu euh, sur Instagram. Ça vous donne un peu l'impact euh, du gars. Euh, qui a pris ces euh, millions d'abonnés bien sûr depuis le 7 octobre, mmh. qui a fait un travail mais exceptionnel, il n'est pas le seul à le faire. il sont des centaines de journalistes à le faire. lui a eu énormément de visibilité de par euh, bah, sa, sa façon de travailler, sa personnalité aussi qui a beaucoup touché les gens, qui est, que c'est quelqu'un de, de calme, de toujours assez pondéré dans ses propos, même s'il a eu des moments euh, tout à fait compréhensibles de, de craquage, de larmes, de, de colère, etc. Euh, mais ils ont, tous les journalistes à gaza font un travail euh, qui est admirable et extrêmement respectable, et qui malheureusement n'est pas assez respectée, je trouve, par euh, les médias occidentaux qui ne relayent pas leur travail très peu. Quoi. On a mmh. eu un portrait par-ci, un portrait par-là, que ce soit de Motaz, de Wael Dahdouh. Mmh. Que vous n'avez pas pu rater, qui est un journaliste d'Al Jazeera, le chef du bureau d'Al Jazeera. Qui, en l'occurrence, est resté euh, un peu plus avant de finalement quitter le euh, Il est parti, euh, il est au pour Qatar Dois. pour oui. se soigner. Euh, il a été blessé euh, pendant un reportage par des tirs de drone. Il son a perdu camaraman. presque toute sa famille euh, dans, dans les frappes israéliennes, notamment son fils ouais. aîné, sa ouais. femme. Oui, c'est ça. Euh, fin octobre, il a perdu sa femme et deux de ses jeunes enfants un garçon et une fille, et son petit-fils. Et ensuite, il a été donc blessé pendant un reportage, alors que son caméraman a été tué. Et il y a dix jours, son autre fils, qui est journaliste, Hamza Dahdouh, a été tué également dans des frappes ciblées contre eux. Euh, il faut savoir que Wael Dahdouh a, a, a époustouflé le monde en reprenant l'antenne immédiatement, dans les heures qui ont suivi ouais. l'annonce de l'assassinat des membres de sa famille, et à chaque fois, il est revenu à l'antenne. C'est... Une... Ça demande une force, et... J'ai pas trop de mots, en fait, pour qualifier ça. Ça, 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 ça m'émeut beaucoup, en fait. Je trouve que c'est... Voilà, C'est difficile de poser les mots. On le voit d'ailleurs sur ouais. euh, sur ce euh, cette prise d'antenne, ce direct qu'il effectue euh, euh, à la suite de, du décès de son fils. On, on sent une émotion. Extraordinaire, mais, mais, mais palpable. Oui, palpable mais, et contenu. Mais contenu très contenu, toujours pondéré aussi dans ses propos, très sage. Euh, voilà, c'est devenu un, un, voilà, un héros, hein, clairement. Euh, c'est des gens qui font un travail de terrain exceptionnel, étant donné que les journalistes palestiniens sont à la fois journalistes, donc euh, comme nous, quand nous partons en reportage, mais bon, on part rarement dans des end endroits aussi dangereux. Mais ils ne sont pas seulement observateurs, ils n'ont aucune protection, voire le contraire, ils sont ciblés en fait ouais. par Israël. Exactement. Et donc, ils sont à la fois journalistes et civils, c'est-à-dire que leurs familles sont en danger, ils sont déplacés, il y a Bissan, la journaliste Bissan qui, qui a été déplacée, sa maison a été détruite, Hind la même chose, Hind Rudari, sa, 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 sa maison a été détruite. Ils subissent en fait ce que subissent les civils, ils ne sont pas seulement euh, journalistes, ils sont journalistes. Et victimes du massacre en cours, des déplacements, ils doivent se déplacer. Ils, ils n'ont pas de, de, de grands moyens. Certains sont, sont correspondants pour Al Jazeera, etc. Donc ils ont un petit peu de moyens, mais c'est vraiment. Ils ne ils sont pas au-dessus de la population. Ils, ils ne bénéficient pas d'un privilège. Voilà. Là, et et Walid étant donné que c'est devenu des, des, des super héros, euh, on peut le dire euh, dans le monde arabe. Que leur cas a été très médiatisé. Bon, extrêmement hein, ouais. médiatisé. Euh, grâce oui. à leurs propres réseaux sociaux et pour d grâce à Al Jazeera, bah, ils ont été accueillis au Qatar, bon, évidemment comme des héros, euh, etc. Mais ce n'est pas le cas de tous les journalistes, il en reste beaucoup. Il y a 119 journalistes qui ont été tués. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut dire de clairement de... qu'il qu y a une tentative délibérée, de cibler oui. Parce que euh, certaines voix s'élevaient pour dire que al-Dahtu euh, euh, well, a été, euh, comment dire Puni de, de relayer ce qui se passait à Gaza en ciblant son fils, son fils aîné, mais d'autres de ses enfants aussi. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a, oui, une tentative d'empêcher de, 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 les journalistes bah, d'informer il, il y a clairement, en tout cas, euh, aucune mesure qui est prise pour les protéger, voire cibler, voire les cibler. Et, et Israël a même déclaré, à propos d'assassinats de, 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 de journalistes il y a dix jours, que c'était des terroristes. Donc c'est volontaire. Ça fait d'ailleurs des preuves supplémentaires pour la, la Cour internationale de justice, c'est-à-dire que là c'est de la revendication. Ce ne sont pas des journalistes, mais des terroristes qui constituaient une menace pour Israël. Et donc on les abat en fait. Vous voyez, c'est on est dans le le massacre absolu. Il n'y a jamais eu dans un conflit autant de journalistes tués en aussi peu de temps. Je vous dis, il y en a plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable. C'est hallucinant. Mmh. Alors, évidemment, euh, <laughs> une guerre à huis clos nourrit la propagande sioniste. Euh, J'aimerais qu'on écoute les propos de la polémiste Caroline Forest sur BFM TV. C'était le 19 janvier dernier. Nous avons une guerre à huis clos qui va se dérouler sans beaucoup de témoins. Donc, il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place pour vérifier, ce qui ne fait que l'on dépend, en effet, d'une source unique qui est une source terroriste, habituée à mentir. Mais je veux dire, les mensonges et le Hamas, c'est même pas. Et en même temps, c'est un bilan qui était repris régulièrement lors des précédents conflits sans que pas grand monde y voit euh, source voilà. à commentaire. Ou... Mais là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et les responsabilités journalistiques dans ce moment-là sont immenses. C'est-à-dire mmh. que quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser, il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. Et néanmoins, encore une fois, une fois qu'on a dit ça. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des pertes civiles aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il y en a, il y en a de trop nombreuses. Alors, Caroline Forest fait la démonstration d'un procédé assez pervers. On empêche les journalistes étrangers d'accéder à la bande de Gaza. On massacre les, les journalistes palestiniens qui se trouvent dans la bande de Gaza. Et on remet en doute les chiffres qui sont communiqués par les seules sources qui se trouvent sur place. Comment, comment on peut... C'est la on propagande d'Israël, directement. Enfin, je veux dire, ce que, ce que dit Caroline Forest c'est exactement, pratiquement mot pour mot, ce que dit la propagande israélienne, ce que dit Rafovit sur, sur tous les plateaux télé, le, le porte-parole francophone de l'armée israélienne. Euh, vous remarquerez que Caroline Forrest est souvent seule en plateau. Hein C'est rarement un contradicteur en face. Il y, y a rarement un journaliste qui connaît le dossier en face et donc elle peut déballer tout ça tranquillement avec son air super calme de quelqu'un de super euh, mesuré, etc. Et ce qu'elle dit est proprement scandaleux. Euh, elle, euh, elle, euh, D'abord, à mon avis, les chiffres du ministère euh, de la santé de Gaza sont largement sous-évalués sous puisqu'on oui. ne compte pas toutes les personnes qui se trouveraient encore sous, sous les, les, décombres. les décombres. Exactement, toutes les personnes. En fait, ça compte les personnes qui sont mortes à l'hôpital dont les, dont les corps ont été identifiés. Donc il y a des, des, des centaines, des milliers de personnes qui sont coincées sous les décombres, qui sont mortes depuis des semaines, dont les corps ont, sont, sont en train d'être dévorés par, par les animaux, euh, qui, sont, qui sont au bord des, des, des rues que personne n'a pu récupérer dans les zones de combat, etc. Donc voilà, il y a euh, certainement des milliers et des milliers de personnes qui ne sont pas comptabilisées. Moi, je préfère me fier euh, d'ailleurs au bilan de Euromed, qui est une ONG basée à Genève qui est, comme son nom l'indique, euroméditerranéenne, euh, et, et qui évalue à au minimum le dernier bilan, qui date de plusieurs semaines déjà, qui a trois semaines, faisait état de plus de 30 000 morts, dont 12 000 enfants. Et, euh, et, 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 et ils mettent la liste de tout, le personnel médical, les journalistes, etc. etc. je vous invite à aller regarder Euromed. Moi, je, je cite tout le temps les chiffres de Euromed qui me paraissent plus proches de la réalité, voire même eux sous-estimé quand on aura le bilan final de cette catastrophe, de ce, de ce, de ce massacre à grande échelle. Euh, voilà, Caroline Fourest euh, est là pour servir la propagande de, de Tel Aviv. Il n'y a, de, 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 a pas de nuance, en fait, dans son, dans son propos. Et moi, je ne, je, je, je ne lui réponds pas en, en répondant que... que les, même si, effectivement, comme vous avez dit, les chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur, contrôlés par le Hamas, sont validés par l'ONU, par, par tout le monde. Mais Caroline Fourest, non. Dernière voilà. question, juste, comment vous expliquez euh, ce manque de solidarité de la part du paysage médiatique français qui d'habitude est prompte à soutenir les journalistes euh, lorsqu'ils sont mis en danger enfin, On l'a vu dans, dans l'histoire, euh, et je ne vais pas remonter jusqu'à Charlie Hebdo, mais, mais même bien avant, euh, pourquoi les journalistes à Gaza sont, ne sont-ils pas soutenus mmh. par les journalistes à Paris c'est comme s'il n'existait pas. Vous voyez bien, dans son discours, il n'existe pas. Il n'y a pas de journalistes à Gaza, alors qu'il y en a des centaines. Et, euh, et, et c'est comme s'il n'existait pas. Par contre, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas du tout soutenus, parce qu'il y a des journalistes bon pas les plus connus qui, qui ont travaillé à Gaza comme euh, je pense à Alice Froussard de Radio France je pense à, à plusieurs journalistes qui, qui ont fait du terrain là-bas en, en Palestine et qui connaissent des journalistes là-bas qui ont des amis qui étaient leurs fixeurs des collègues journal journalistes là-bas qui ont été tués qui se sont et qui se sont et qui sont bouleversés par par ce qui se passe là-bas par par la voilà mais ils sont minoritaires effectivement je veux dire il n'y a pas de solidarité envers les journalistes d'ailleurs d'ailleurs même euh, en fait Israël bloque l'accès aux journalistes occidentaux. Très bien, c'est un fait qu'on peut dénoncer qui a été dit et redit. Pourquoi la, la presse française ne trouve pas euh, des correspondants, des, correspondants des hein, gens qui fixent, euh, en qui elle a confiance, voilà et qui pourraient donner des informations quotidiennes? Euh, sur ce qui se passe à Gaza. C'est loin d'être le cas. On n'a pas de journalistes. C'est comme s'il n'y avait rien. Blackout. De temps en temps, vous avez des images qu'ils qu obtiennent par euh, l'AFP, ses relais, etc. Mais il n'y a pas de... Il Par exemple... Euh, par exemple euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs médias euh, indépendants, des journalistes indépendants, relayent, comme moi, des, 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 des journalistes palestiniens. Mais la presse dominante ne, ne le fait pas. Merci. Mériam Laribi, euh, journaliste indépendante, donc, euh, que vous collaborez notamment pour euh, Orient 21 euh, ouais, le et Le Monde Diplomatique. Merci d'avoir Merci. Merci répondu à nos questions. Merci.